commence par la floraison des pommiers haute tige dans nos prévergers, conduits en agriculture biologique. À l'automne, les pommes sont transformées en jus. Sauf que la jus, celui est placé dans les cuves de fermentation alcoolique. Le sucre des pommes sera lentement transformé en alcool grâce aux levures présentes naturellement. Nous obtenons ainsi un cidre fermé bio de qualité qui titre environ 6 degrés d'alcool. C'est alors que s'effectue le transfert de la cave cidricole vers la vinaigrerie. La seconde fermentation, dite acétique, se déroule non pas grâce aux levures, mais avec les bactéries acétiques qui sont présentes naturellement dans le milieu. Ce procédé ancestral, dit méthode orléanaise, consiste à ne rien faire. Il suffit d'avoir de l'oxygène et de la chaleur. C'est pourquoi ces fûts en chêne ne sont remplis qu'à moitié avec une grande ouverture pour un meilleur contact avec l'air, et la température est de 25 à 28 degrés dans la vinaigrerie. Cette fermentation acétique se prolonge sur 4 mois. Tous les 10 jours environ, nous enlevons la mer de vinaigre qui se développe trop et forme un voile sur le liquide, empêchant ainsi l'air de passer. Avec cette perte de matière et l'évaporation pendant plus de 4 mois, le volume vinal diminue de 1 tiers. Ça devient donc un vinaigre concentré, très riche en arômes. Cet appareil sert à mesurer l'acide acétique, qui doit être supérieur à 5% pour la commercialisation du vinaigre. Après 4 mois, celui-ci, complètement acidifié, est alors transféré dans les fûts de vieillissement fermés. Il peut se bonifier pendant plusieurs mois encore. Pour toutes ces raisons, nous sommes les seuls à utiliser cette méthode orléanaise pour le vinaigre de cidre. Les autres cidreries emploient un bulleur pour acétifier en quelques jours, ou font faire le travail à façon en 24 heures sur des acétificateurs industriels, même en vinaigre fermé bio. Par macération dans des damjans, nous aromatisons ce vinaigre avec des plantes et fruits provenant de notre production bio, framboises, mûres, romarin, thym, menthe, fleurs de sureau, de ciboulette, etc. Si vous désirez aromatiser chez vous ou seulement pour des raisons environnementales et économiques, nous vendons également le vinaigre nature en vrac ou en damjan de saclite consigné. Le vinaigre de cidre de la ferme de Soisse le Gourmet Champêtre est un produit haut de gamme avec des arômes exceptionnels. Il garde également toutes ses vertus thérapeutiques, d'autant plus qu'il n'est ni filtré ni pasteurisé. Merci de votre attention et à bientôt.